Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est hier, on est parti dans un nouveau guide sur Smite et c'est le guide saison 9 sur Cheng'a. Alors Cheng'a c'est un personnage intéressant. Alors pourquoi on dit Cheng'a? Bah regardez la vidéo originelle du God Reveal, c'est parce que ça se dirait comme ça en Chine, comme on dit Naja et ou Guanyu. Guanyu, ça se prononce normal, c'est vrai. Naja, donc on est parti, on va parler de Cheng'a. Chenji, si vous voulez le parler, ou change, si vous voulez le dire en français. Personnage intéressant, c'est un mage. Alors, elle a évolué à travers toutes ces années, parce que si vous êtes, je sais pas, quelqu'un qui a joué dans les premières années de Smite, saison 1, saison 2, bon, Cheng'a, c'était plus en solo lane. Maintenant, ça reste quand même un mid laner qu'on peut éventuellement jouer. Il y a pas mal de builds qui sont à la mode, on en parlera tout à l'heure. Déjà, le passif de Cheng'a, il est très rigolo, il vient de l'inspiration de Dota, je pense, puisque dans Dota, on a des courriers, on a un petit item qui permet de se balader, et dedans, on peut mettre 6 items, et ça appartient à toute l'équipe, le coursier. Là, on a le lapin qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, quand je sélectionne un item dans la base, je dis « Oh, j'aimerais bien avoir cet objet de démarrage ». Et bah le lapin, il y va, et ensuite il le prend et il me le ramène. Ça prend un petit peu de temps, mais en gros vous n'êtes pas obligé de retourner au spawn pour récupérer. Alors il y a des particularités, il faut noter que le lapin ramène un objet à la fois. Si vous lui demandez deux objets, donc imaginez on va lui demander une potion de vie, une potion de mana, et bah il va d'abord aller chercher la potion de vie, on voit c'est un symbolisé ici, et ensuite il va directement, il repartira pas, il faudra lui reproposer. Comme ça j'étais pas sûr, je préférais regarder. Donc vous voyez, il prend un objet à la fois et ensuite il revient. Donc c'est une particularité de la conquête, puisque la conquête, bah, ça peut être très fort de ne pas avoir besoin de bac, ça vous permet d'enchaîner les objectifs. Et plus il y a d'objectifs sur la map, plus le fait de bac peut être chiant, parce qu'on perd un petit peu de temps au niveau du leveling. Donc c'est un personnage intéressant, parce qu'elle n'est pas toujours obligée de bac. Alors elle aura besoin de temps en temps de revenir dans la base, tout simplement pour régénérer la totalité de sa mana. On va parler du reste du kit de sort du personnage, il est assez simple à prendre en compte. Cheng'a est un mage qui, comme Zhongkui, doit être assez proche de ses adversaires pour pouvoir les combattre. En fait, elle n'a pas une range incroyable, la portée du 1 je crois que c'est 40, je sais pas si c'est écrit. La portée du 1 c'est 40 et la portée du 3 je crois est encore plus faible. Donc on n'est pas sur des portées gargantuesques comme peut l'avoir, je sais pas moi, une Scylla ou une Perséphone. On est sur du semi corps à corps, enfin voilà, mi-distance on va dire. Donc un personnage qui doit faire attention à son positionnement et qui doit forcément prendre des risques parfois et être mal positionné, ce qui peut vous faire mourir facilement. Voilà, donc ça c'était déjà la petite précision à retenir sur le personnage, c'est que vous avez voilà différentes portées d'attaque. Alors c'est vrai que moi je suis en mode toujours en mode immédiat sur Cheng'a, il n'y a aucun souci sauf l'ulti. Donc là vous allez voir, hop, donc vous voyez j'ai pas une portée dingue, c'est une portée d'un petit peu plus de 30, c'est une portée de 40 exactement pour le premier sort. Et pour le deuxième sort, bah, on voit on a une portée là de 30. Donc on a vraiment des portées qui sont assez légères, mais on a une possibilité d'enchaîner assez souvent les sorts, puisque les CD des sorts de Cheng'a sont relativement faibles. Vous voyez, là j'ai seulement un sablier du temps, donc 10% de CDR, et je suis déjà à 5.4 sur mon 1 et à 11 secondes sur le 3. Donc le 3 est un peu plus long que l'autre, mais sinon le 1 est vraiment très très court. On est sur l'un des sorts les plus courts du jeu, avec le 1 de Ebo qui lui n'a quasiment pas de CD, je crois que c'est 3 secondes. 3 secondes de base. Alors le fonctionnement de son kit de sort est assez simple. Ça, c'est une source de dégâts qui va d'abord de gauche et qui va ensuite à droite. Donc faut faire attention parce que si on met le sort, si vous êtes face à cet adversaire là, bah faut bien évidemment pas mettre votre sort comme ça, hein, si votre but c'est de toucher Odin, il aura peut-être bougé. Donc bien évidemment faut mieux mettre le sort à gauche, donc c'est important de retenir que les sorts vont de gauche à droite, voilà. Il est quasiment instantané si vous mettez le sort à gauche. Ça peut être intéressant parce qu'on a parfois tendance à faire cette erreur là, c'est-à-dire que quand, et d'ailleurs moi je la commets aussi, c'est-à-dire que quand l'ennemi est là et qu'il bouge pas, on a tendance à faire ça. Mais on sait jamais, s'il a le temps de sauter, vaudrait peut-être mieux le mettre finalement comme ça.
Je ne sais même pas s'il y a beaucoup de joueurs de Chenka qui se font chier comme ça à faire le sort. Mais en fait, le sort serait plus instantané et donc plus difficilement esquivable. On est d'accord. Le troisième sort, on s'en fout parce qu'il est un peu dans le même genre, je crois. Faudrait regarder s'il est dans le même genre. C'est-à-dire, est-ce que le 3 est retardé aussi? Ou est-ce qu'il touche dans toutes les directions? Comment ça a été codé, ça? Ah, ça a été codé pareil, hein. Ça va de gauche à droite, donc c'est le même principe que le 1. On pourrait réduire le temps en se mettant un tout petit peu comme ça. Donc en tournant un petit peu la caméra, quand on déploie le truc, voilà. Et là, je vais directement le toucher quasiment instantanément. Et là, pareil avec le 1, vaut mieux mettre à gauche. Voilà. Bon, c'est des petits détails, mais on sait jamais, hein, ça peut jouer. C'est vrai que les temps d'animation ne sont pas instantanés. Là, on a vu que le temps que ça met pour aller toucher le Odin, quand même assez long. Qui est derrière moi, je parle. Les sorts passent-ils à travers les murs? Alors ça, c'est toujours la question qu'on peut se poser. Je crois que le 1 et le 3 passent à travers les murs, bien sûr. Mais je suis même pas sûr qu'on ait la portée, si. Et l'ulti aussi. Donc tout passe à travers les murs avec Chenga. Donc notez que c'est une possibilité. Vous pouvez complètement aider un coéquipier en étant de l'autre côté d'un mur. Sachant que la portée de l'ulti, on verra, elle est immense. Le deuxième sort, c'est un sort qui demande quand même un petit peu de connaissance dans le jeu, puisque c'est un sort qui va vous permettre de dodge tous les autres. En fait, dans un rayon comme ça, hop, vous esquivez tous les sorts qui vous sont lancés. Donc ça va vous permettre d'éviter un Kraken de Poséidon, un Aim Monster. Ne prenez pas en compte la taille du cercle, hein, c'est juste que vous êtes immunisé. C'est comme si vous étiez dans une égide, sauf que durant cette égide, vous pouvez vous déplacer. Voilà. Notez aussi qu'à chaque fois que vous utilisez l'un de vos sorts, vous avez une accélération. Une accélération qui vous permet de vous déplacer. Et ensuite, il faut noter que vous n'êtes pas sujet au backpedal dans cette animation-là. Donc en gros, vous voyez, je fais ça. Ensuite, je balance une auto et là, je suis ralenti. Voilà. On ne peut pas balancer une. En fait, le mieux, ça serait de lancer auto 1 directement. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas en immédiat. Pour éviter de perdre le moins de temps possible sur l'auto-attaque. Puisque, on le rappelle, à chaque fois que vous balancez une attaque de base, vous êtes ralenti, hein, dans Smite, c'est la particularité du jeu. Voilà. Et là, vous voyez que je suis d'un seul coup un petit peu accéléré. Là, je suis légèrement accéléré. Là, je suis encore un petit peu accéléré. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a que pendant l'ulti où je ne suis pas accéléré. Ouais, je ne suis pas accéléré pendant l'ulti. Ah si, peut-être. Peut-être parce que c'était affiché. Ah oui, si, je dois être accéléré aussi pendant l'ulti. Je n'étais pas sûr de ça. La demi-lune est une danse envoûtante, oui, donc vu que c'est considéré comme une danse, ça doit quand même accélérer la vitesse de déplacement de Chenga. De 25%, faut le noter. Le deuxième sort, bah, c'est un sort qui vous permet d'éviter tout un tas de trucs, par exemple un dunk de Thor, etc., etc. C'est un sort d'expérience, il faut jouer au jeu depuis un petit moment pour arriver à dodge les sorts avec ce truc, mais c'est vrai que couplé avec une purifiée et une égide, bah, Chenga c'est difficilement attrapable. À chaque tick de dégâts que vous subissez pendant le 2, vous regagnez un petit peu de mana. Donc pendant ce sort, si vous êtes tapé à ce moment-là, vous regagnez de la mana. Bon, c'est intéressant comme passif dedans. Ça ressemble un petit peu au passif qu'on a mis actuellement dans la beads de dégâts, l'égide de dégâts, l'égide de déplacement, etc., etc. Bon, c'est une mécanique que vous avez juste besoin au level 3 et vous n'avez pas besoin de mettre de points avant un long moment puisque vous voyez que la seule chose que vous diminuez quand vous mettez des points dedans, enfin les seules choses qui augmentent, c'est le nombre de mana gagné, ce qui est pas ouf, et le temps de recharge du sort qui lui non plus, on sera content à la fin, mais voilà. Notion importante, notez quand même le CD qu'il y a sur le sort de base, 18 secondes, donc vous voyez que vous êtes sur une quand vous affrontez une Chenga. Et bah quand elle fait son 2, dites-vous que vous êtes tranquille pendant 18 secondes ou quasiment, on va dire, les 15 secondes si elle a un petit peu de CDR sur elle. Donc c'est une mécanique importante et puis connaître le CD peut être intéressant pour jouer contre. Ensuite on a le troisième sort de Chenga, peu de gens le savent, il y a un malus de heal dessus. Le malus de heal dure 4 secondes et c'est 50% de soins en moins. Oui, comme Bacchus et Sobek, Chenga fait partie des rares personnages de Smite qui a un anti-heal. Alors c'est rigolo parce que le 3 est un heal en plus. Le heal est un heal de portée de 30 comme on l'a dit tout à l'heure, avec un heal de 130 et des dégâts de 185. Donc les dégâts sont pas non plus énormes. Et le malus de guérison dure 4 secondes et dure 50%. Donc imaginons que vous jouez Divine Ruin sur votre Chenga ou une Pestilence par exemple. Si vous jouez Divine Ruin, vous avez un anti-heal de 4 secondes quand vous allez appliquer le sort,
plus la Divine Ruin, qui est actuellement très très à la mode, puisque Ayres a décidé de up cet objet pour arrêter que ça soit un objet qu'on fait que quand il y a beaucoup de healers et qu'on est un peu dégoûté parce que les stats sont pourris. Maintenant, ça donne quand même 110 de puissance, ce qui est beaucoup. En plus 15 de pénétration, c'est toujours intéressant de la pénétration flat en début de partie car les adversaires ont peu de résistance. Bon, je le dis dans chacune des vidéos, mais là par exemple, vous voyez que je suis level 20, j'en ai que 48. Donc 15 en moins, c'est quand même un sacré pourcentage en moins. Donc voilà, la Divine Ruin est un bon counter. Là, vous voyez que ça réduirait les heals de. Donc je mets un lancement 3 sur quelqu'un, je réduis les heals de 90% pendant 4 secondes, puis ensuite 40% pendant 2 secondes supplémentaires. Donc vous voyez quand même, grosse capacité d'anti-heal pour Chenga, assez violente, ça contre très bien Ra, Hercule, tous les personnages qui se heal, hein, Yemoja, tout ça. Donc n'hésitez pas à prendre de l'anti-heal sur Chenga, c'est assez violent et ça contre vraiment très très bien tous les personnages qui veulent se soigner du jeu. Ça peut être également aussi les ADC actuels physiques qui partent sur Asie plus un objet de démarrage, ce qui leur donne deux items de lifesteal en fin de partie, enfin en fin de fight quand ils sont low life et que l'Asie proc, ils ont une vol de vie qui est tellement élevée que c'est à ce moment-là qu'il faut appliquer l'anti-heal. C'est vraiment très très important pour pouvoir les achever et les finir. Sinon ils vont tout simplement régénérer. Et on termine avec l'ultimate de Chenga, qui est un ultimate puissant, puisqu'il a 70 de portée, qu'il passe à travers les murs. Et vous le voyez, on peut pas toucher les 3, mais on peut toucher 2 déjà. 2 Odin. Et la particularité de cet ulti, c'est que pour chaque ennemi touché, vous allez ajouter une seconde de plus pour chaque dieu touché. Donc si vous étourdissez, vous pouvez étourdir tout simplement la première personne 1 seconde, la deuxième personne 2 secondes, la troisième personne 3 secondes, la quatrième personne 4 secondes, etc. jusqu'à 5 secondes de stun pour le dernier. C'est beaucoup. Alors c'est vrai que la première fois qu'on entend parler de ce sort, on a se dit bon bah ok d'accord Iker, ça veut dire qu'il faut le placer que quand on peut le placer sur 5 personnes à la fois. Non, calme-toi. Tu peux aussi le placer en forme simple pour pouvoir appliquer un burst. Puisque Chenga est un personnage qui, on le verra, se joue quand même beaucoup basé sur son burst. Parce que si vous jouez le fait de temporiser, voilà. Donc ils sont immunisés, bien sûr, mais vous avez vu la capacité à stun. Enfin, la capacité à infliger des dégâts. Donc moi, mon conseil, c'est qu'en début de game, vous allez placer souvent l'ulti Chenga pour une personne. Mais qu'en fin de partie, si vous pouvez le placer sur plusieurs, bah n'hésitez pas. Surtout que les gens sont souvent un petit peu plus paqués. Regardez, le premier stun une seconde, c'est fini. Et l'autre est stun une seconde de plus. Voilà. Donc notez que c'est un sort qui est assez puissant en engage parce que on le sait bien, il y a le damaging return. Si vous placez l'outil sur quelqu'un qui a déjà été contrôlé, et il sera contrôlé que 0,66 secondes, ce qui est pas énorme. Alors que s'il en a pris 2, il sera contrôlé que 0,33. Et puis ça sera pareil, hein, si la personne qui en dernier devait se faire contrôler 5 secondes, mais que la dernière personne elle a déjà été contrôlée 2 fois, ça sera 66% en moins que 5 secondes, ça sera beaucoup plus court. Donc c'est quand même un sort qu'il faut utiliser en initiation, en général, et qui est très très puissant si on arrive à le placer sur plein de personnes. Mais comme je l'ai dit, concentrez-vous sur l'idée au début, je dois faire mes kills, donc je place mon ulti, surtout que l'ulti permet souvent de corriger le problème de rank de Chenga, c'est-à-dire que là je vais placer le stun et voilà, ça va me permettre de facilement rattraper le petit Odin. Si vous avez placé des stuns et que l'adversaire n'a pas d'escape, ça peut être pertinent et très intéressant contre chacun de faire auto 1, auto 3, auto, parce que l'auto part très vite après avoir lancé le sort. Donc ça augmentera votre potentiel de dégâts, surtout si vous savez que vous êtes dans un combat délicat et compliqué. Après, utilisez aussi très très vite votre 1, car c'est le sort que vous récupérerez le plus vite et il vous aidera un petit peu en combat pour vous protéger, parce qu'en late game, ça fait quand même très mal le 1 de Chenga full maxé. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi le skill order? Et bien, le skill order de Chenga est hyper facile, c'est tout le temps le même. Donc, vous prenez des notes et c'est facile à retenir. On commence tout d'abord la game avec le premier sort de Chenga. Au level 2, on prend un point dans le 3. Au level 3, on prend un point dans le 2 pour avoir ce fameux escape qui peut vous sauver la vie. Hein. Très clairement, dans n'importe quel mode, vous pouvez tout esquiver avec ce sort. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Il vaut mieux plus l'utiliser que pas assez. Donc, n'oubliez pas de l'utiliser vraiment dans... Ah,
Je sens que ça, c'est pas terrible. Je vais appuyer sur mon 2 et ça va me permettre de me repositionner. Surtout que oui, c'est un petit sort de repositionnement, mais grâce au petit bonus de vitesse, bah, vous allez quand même traverser un petit peu. Voilà, j'ai quand même un petit peu bougé. Donc c'est une sorte de mini immune très violente qui peut nous protéger. Vous voyez que pendant mon ulti, je ne suis bien évidemment pas immune contrôle. Donc je prendrai, je ne suis pas doré pendant l'ulti, donc ça je voulais le noter et le mentionner. Chenga n'est pas un personnage qui a une immune contrôle sur son ulti. Par contre elle a une immune contrôle sur son 2. C'est donc peut-être même plus fort, parce que ça n'a pas le même temps de CD. Au niveau du reste du skill order, au level 4 nous avons bien évidemment pris un point dans le 1 et au level 5 un point dans l'ulti. Nous allons maxer en priorité le 1, alors vous pouvez faire le tricks du j'attends le level 9, je mets un point dans l'ulti et ensuite je mets un point dans le 1, mais mettre un deuxième point dans le 3 n'est pas de la perte non plus, vous perdez un petit peu en DPS parce qu'on passe de 50 à 70 au lieu de 200 à 240, mais vous gagnez un petit peu plus de heal. Notez que le heal est réduit à l'heure actuelle dans Smite depuis 2021, depuis début de saison 8, vous avez un malus de 30% de heal tant que vous n'êtes pas en train de combattre face à un dieu. Alors je me demande si j'avais jamais regardé, mais si en stand de tir, enfin si là, vu que je fight a priori un dieu Nice, est-ce que le sort va s'enfuir dès que je vais la taper? Ouais, voilà. Donc là, vous voyez, je reçois 100% de mon heal, sauf si Nice applique bien sûr de l'anti-heal, ce qui n'est pas le cas dans le stand, mais voilà. Donc ça, c'est important de le retenir. Vous n'allez pas heal dans Smite la valeur que vous voyez là hors combat. Il faut être en combat et face à des gens qui n'ont pas d'anti-heal pour heal la valeur que vous voyez affichée dans le jeu. Sinon, vous êtes nerfé de 30%. Le système fonctionne pendant 5 secondes, je crois, quand t'as pas subi de dégâts d'un dieu ou infligé des dégâts vous-même, vous êtes dans le mode anti-heal. Voilà. Ça, c'était pour préciser parce que peut-être que certains vont être choqués en disant « Mais mon heal, il me heal pas de la valeur que c'est affiché. » C'est parce qu'ils ont ajouté ça en 2021. Donc on continue le skill order. Bien sûr vous allez mettre des points dans l'ulti dès que vous pouvez. Et vous faites 4, supérieur à 1, supérieur à 3, supérieur à 2. Donc on va se retrouver très très vite avec un truc comme ça. Ensuite on devra mettre des points là-dedans. Et on terminera par le 2. Et enfin au level 20 un dernier point dans l'ulti. Maintenant on va passer tout de suite les reliques. Les reliques de Chenga, bah c'est un peu comme une Sol, on a un personnage qui a une immune contrôle, immune dégâts, donc une deuxième sorte de Purifégide, bah donc c'est un personnage qui synergise très très bien avec Purifégide, puisque finalement une Chenga, bah c'est difficile à surprendre, puisque vous devez d'abord lui forcer son 2, vous devez ensuite lui forcer sa Purif, et vous devez lui forcer son Égide. En plus elle peut soigner, elle peut appliquer un stun si vous essayez, donc c'est assez compliqué de la tuer quand on est un corps à corps contre elle pour la gérer. Donc c'est assez bien de coller les informations qui ont été utilisées par Chenga, Purif de Dawn, Égide de Dawn, s'il lui reste plus que son 2 c'est déjà beaucoup plus facile pour certains assassins. Donc Purif Égide, bah, c'est un classique sur une Chenga. Maintenant vous allez me dire, mais Iker, j'aimerais bien une petite précision, Chenga ça se joue où? En conquête. On est là pour la conquête, on aime la conquête, on est des dingues. Chenga ça se joue plutôt mid. Mais Chenga solo est envisageable avec certains items qu'on présentera tout à l'heure. Surtout dans ce début de S9 qui sont assez forts et qui risquent d'être très vite nerfés. Donc ne pensez pas que dans 6 mois il faudra faire le même build que celui que je vais vous conseiller pour la solo. Pareil pour le mid, il risque d'évoluer et il y en a plusieurs. Vous avez la Chenga Burst qui va aller chercher de la pénétration flat, de la CDR et surtout beaucoup de puissance pour essayer de one-shot aucun item défensif. Ensuite vous avez la Chenga Livre de Tot, Livre de Mort, Plastron de Valeur ou Livre de Tot, Livre de Mort, Moissonneur si vous voulez pas plus que de défense que ça. Et enfin vous avez le build Plastron de Valeur, Couronne de l'Empereur de Jade. Et briseur classique avec du bâton éthéré, de la CDR, etc., etc. Vous avez une Chenga qui peut résister dans les fights et qui aura pour but de soigner ses coéquipiers, pas forcément faire très mal, tanker et encore tanker. Donc vous avez pas mal de possibilités sur Chenga, comme je viens de l'évoquer. On va commencer tout d'abord par l'itemisation qui est la plus classique chez Chenga.
Au niveau de l'objet de démarrage, c'est pas si simple que ça de choisir déjà sur Chang'e. Sablier du temps est plutôt correct, le pendu des âges est assez correct. Le problème, c'est que moi, je trouve que le pendentif de Chronos est plus intéressant que le pendu des âges. Donc, j'aurais tendance à pas forcément le faire. En fait, si on regarde comparé au pendentif de Chronos, on est un objet à 2200 gold, le pendentif est à 2700, donc 500 gold de plus. Il donne plus de puissance, 10 de puissance en plus. Il donne la même CDR, mais le passif donne 10 de CDR en plus, alors qu'ici c'est vous obtenez juste de 10 de puissance manquante et 10 de puissance magique par tranche de 10% de PV manquant, de mana manquant. Donc c'est particulier, ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire le pendu des âges ou le pendentif de Chronos. Moi je considère que la CDR faut l'avoir assez tôt sur Chang'e, donc si vous décidez d'avoir votre CDR tout de suite, bah, c'est le pendentif de Chronos, l'un des meilleurs objets du jeu sur Chang'e. C'est un des rares mages qui peut se permettre de rush pendant Tide de Chronos en se disant on va pas être là, il est parti pendant Tide de Chronos, car c'est pas ouf sur plein d'autres pages. Hein. Vous n'avez pas rush pendant Tide de Chronos sur une Scylla, sur un Poséidon, on peut largement s'en passer, etc., etc. Sur une Chang'e, c'est autre chose. Donc là, je vous l'accorde. Ensuite, au niveau des objets de démarrage, bah, les trois sont possibles. Moi, je vous conseille plutôt la gemme arcanique pour pouvoir faire en fin de partie la gemme de focalisation. La gemme de focalisation, elle est très intéressante en teamfight, puisque quand vous activez une compétence pour du mana, vous obtenez une charge de focalisation. Donc ça va fonctionner sur tous vos sorts, jusqu'à 3 au maximum. Chaque charge dure 10 secondes et augmente votre vitesse et vos dégâts de 3%, tout en réduisant les dégâts subis de 3%. Donc l'avantage, c'est que vous augmentez vos dégâts et votre vitesse, et là vous vous dites ah ouais c'est pas mal sur Chang'e, parce que justement Chang'e va répéter ses sorts très souvent, donc elle va garder ce passif tout le temps OP et elle aura quand même un petit peu de damage réduction sur toi, donc des dégâts en moins tu subiras, il y aura des dégâts qui seront évités automatiquement, et c'est fort sur un personnage qui est censé tenir dans le fight ou en tout cas résister un petit peu. Donc la gemme de focalisation est pas mal sur Chang'e, donc moi je vous conseille plutôt celle-là. La gemme de l'archimage, bon, elle a été détruite par Ayren en saison 8, donc depuis on ne la voit jamais à niveau pro. Après, c'est pas non plus un mauvais objet, puisque ça permet d'augmenter votre burst au moment du flash ulti, si vous voulez faire un flash ulti sur ce personnage. Donc la gemme de focalisation et le pendentif de Chronos sont déjà deux objets qui sont très intéressants sur Chang'e pour pouvoir aller chercher la CDR tout de suite. Là, on parle vraiment de la Chang'e burst. Bien sûr, si vous êtes dans une game où il y a beaucoup d'anti-heal, où il faut de l'anti-heal, bah, c'est pas si mauvais que ça de faire Sablier du Temps et Divine Ruin, qu'on va beaucoup voir sur certains matchs cette saison, parce que la Divine Ruin elle est plus aussi mauvaise qu'avant. À une époque, ça donnait 90 de puissance, on rappelle, et ça donnait 10 de pénétration flat, je crois. Même à une époque, ça ne donnait pas de pénétration, ça donnait autre chose, je ne sais plus. Bref, l'objet a été renforcé pour qu'on ait un peu moins... on soit un peu moins dégoûté à dire « Oh non, il faut que je fasse Divine Ruin, mon perso, il sert à rien. » Voilà, parce que c'était un peu ça qu'on pensait pendant longtemps. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Et on l'a vu avec la Divine Ruin, on synergise très très bien, puisqu'on a 90% d'anti-heal. Quand on fait un 3 sur quelqu'un, c'est plutôt violent pour lui, le pauvre. Donc ça, c'est, on va dire, une itemisation qui peut se faire sur tous les mages de la saison 9 pour pouvoir contrer le heal. Donc à ce moment-là, si vous avez envie de faire, vous pouvez faire le pendentif de Chronos en troisième objet. Il y a bien évidemment d'autres objets avec de la CDR qui sont très intéressants sur Chang'e, puisque Chang'e est un personnage qui va souvent avoir des assists et des éliminations, puisqu'il suffit qu'elle soigne ou qu'elle inflige des dégâts à quelqu'un qui tue quelqu'un pour pouvoir avoir l'assist. Donc la lance de désolation a tendance à souvent proc sur Chang'e. Bon là c'est dégueulasse, mon itemisation, parce que j'ai le pendentif et j'aurai le pendule des âges, donc bien évidemment vous avez compris, vous faites pas le pendentif de Chronos si vous avez la gemme arcanique. C'est assez odious. Là, vous avez actuellement 30% de CDR. Donc, c'est suffisant puisque l'élixir de puissance vous donnera à fin de partie 10% de CDR et 70% de puissance magique, on le rappelle. Et vous pouvez partir ensuite sur le fameux moissonneur éclat d'obsidienne, où vous pouvez, comme on l'a dit, si vous n'avez pas besoin de faire la divine ruine, faire moissonneur, le bâton de Tahuti. Et bien sûr, l'éclat d'obsidienne pour avoir les derniers pourcentages de pénétration qui vous manquent, même si là, vous n'êtes qu'à 30% avec 40% sur le sort. C'est pas non plus très grave puisque vous avez la pénétration flat de la lance de désolation qui vous en donne 15. Ce qui, sur un personnage fragile, on le rappelle, est mieux que 10%. Sur un personnage fragile, vous voyez que moi, par exemple, j'ai que 48 de résistance. Donc retirer 10% de 48, c'est 4,8. Alors que cet objet retire 15. Donc vous voyez que c'est pas non plus trop grave si vous avez 30%.
ou 40%. Notez toujours que l'élixir ici, si vous l'achetez, donnera 10% qui vous manque et que ça n'ajoute pas 10% aux 40 si vous avez déjà 40. Ça n'ajoute pas 10% si vous avez 40. Il n'y a que l'éclat d'obsidienne, le passif de l'éclat, qui fait que là, avec l'itémisation que j'ai à l'heure actuelle, j'ai 30. Mais un sort, si je lis le passif, le prochaine compétence obtiendra 10% de pénétration magique supplémentaire. Cet effet ne peut se produire que toutes les 10 secondes. Donc j'ai un sort toutes les 10 secondes. Mon premier sort, si je flash ulti, il aura 40% de CDR. Si j'ai déjà 40%, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je passe à 50%, mais que pour un sort toutes les 10 secondes. Et c'est le maximum de pénétration en pourcentage que vous pouvez avoir. Voilà, c'était pour l'évoquer parce que peu de gens le savent. On peut avoir 50%, mais pour cela, il faut juste avoir l'éclat d'obsidienne. Donc si vous êtes face à une compo énormément tanky, il vaut mieux donc faire toujours l'éclat d'obsidienne et jamais la pièce de charron. Mais la pièce de charron est envisageable parce qu'elle vous donne 20% de pénétration aussi, mais elle n'a pas un passif qui rajoute 10%. L'éclat d'obsidienne est vraiment très très cool parce qu'il permet de retirer 50% des résistances sur un sort toutes les 10 secondes, ce qui peut être très efficace par exemple sur une Scylla, pour un Aim Monster, sur un tank. T'as pas lancé de sort dans les 10 dernières secondes, il se prend moins 50% de résistance, et s'il en a 250, ça fait quand même une sacrée réduction, il perd 125 de défense. Donc l'éclat d'obsidienne, faut pas le sous-estimer, ça permet de faire fondre la résistance d'un adversaire, la résistance adverse. Alors que 15 de pénétration flat sur un perso qu'on a 250, vous retirez pas beaucoup, voilà. Mais on est quand même pas loin des 6, 7, 8%, donc de quasiment 10%. Donc faut pas sous-estimer la pénétration flat, elle reste une mécanique très très puissante dans le jeu. Et elle est maximisée à 50 de pénétration flat et 40% de pénétration, sauf pour l'éclat comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc là on est vraiment sur une Chenga qui est capable de one shot, qui est capable de faire très très mal. Vous allez me dire, mais Iker, on prend le bâton de Tahuti, on prend lequel? On prend le bâton de Tahuti à la météore? En fait, je vous explique pourquoi le météore, j'aime pas. On va aller chercher la Chenga. On va lui mettre le combo. On la stun. Le météore est tombé assez vite. Oh, le météore m'a surpris, il est tombé assez vite. Parce que normalement, elle est stun qu'une seconde. Et j'ai trouvé que le météore est quasiment tombé à la fin du stun. Ah, mais parce que le météore est pas parti de l'ulti. Il est parti d'un autre sort que j'ai lancé. Je suis un peu con. C'est pour ça que j'ai eu cette impression que le météore est tombé trop vite. Mais c'est parce que c'est vrai que j'avais lancé un autre sort. C'est que je voulais vous montrer qu'elle peut quasiment le backflip, le sort. C'est-à-dire que même un bot va backflip mon météore. Le météore ne touche jamais parce que le stun est d'une seconde de base. Et vous allez me dire, oui, mais si tu stun plusieurs personnes... Oui, mais c'est sur la première personne que je vais lancer le sort qu'il y aura le météore. Donc j'explique. Donc là, regardez. Et il vient de tomber. Le météore, il est très difficile à placer. Hein. Même avec un Rainfire Nosusum d'Agni, le mec s'est barré. Hein. Avec un Whirlpool Kraken, ça peut le faire, mais il faut vraiment bien positionner le sort. Et puis, c'est vraiment beaucoup de si, parce que y a un CD qui est long dessus. Tu peux pas toujours setup. La première personne que tu vas sur lequel tu vas lancer tes sorts dans un début de teamfight, ça va être sur un tank souvent ou sur un gardien. Faire les dégâts du météore sur un gardien en plus, plutôt qu'avoir un petit peu de vitesse d'attaque qui peuvent te servir justement pour te défendre, pour essayer de... Moi, en termes de cost efficient, je trouve que... Rappelez-vous que les auto-attaques d'un mage en late game, c'est pas gratuit. Hein. Ça fait quand même assez mal. Hein. Je suis full build. Je fais une auto à 226. Donc si je fais ça, une auto, 3, une auto, je gagne quand même beaucoup en DPS. C'est-à-dire que sous-estimer l'idée que les auto-attaques d'un mage servent à rien. Et là, vous voyez que j'auto-attaque quand même beaucoup. Et qu'en fait, finalement, en late game, je fais quand même assez mal avec des auto-attaques. Et donc, moi, je trouve ça plus efficient en fait. Hein. Je trouve ça beaucoup plus efficient. Vous voyez que je fais très très mal au niveau des dégâts. Donc c'est le côté Chenga one-shotteuse qui existe. On va vite passer à autre chose puisqu'il y a plein de builds à présenter avec Chenga. On va parler ensuite d'un deuxième build. Donc là c'est d'un build qui va être basé sur le burst également. Donc de la même façon, le but ici c'est de one-shot. Mais vous allez one-shot de manière un petit peu plus tanky. Donc vous faites le sablier du temps. Vous faites ensuite le livre de Thoth. À ça vous ajoutez bien sûr...
Alors, vous pouvez faire le plastron de valeur, qui est très très fort, mais ça vous perdez du burst, on est d'accord. Donc, vous faites plutôt le livre des morts. Et vous enchaînez sur... alors là, il faut aller chercher l'éclat d'obsidienne, car vous avez zéro pénétration. Ou alors, aller chercher le moissonneur, si vous avez envie. Vous finirez bien par le pendule des âges en late game. Et en objet qui vous reste, bon, est-ce que vous avez envie de faire encore un objet de mana? Ce n'est pas obligatoire, puisque je m'explique. Le livre de Thoth fonctionne comme ça. Vous gagnez 10 de PM par charge de manière permanente. Vous recevez 5 charges par dieu touché. Et ensuite, 7% du mana des objets est converti en puissance magique. Une fois à 75 charges, cet objet évolue. Et 30% supplémentaire de conversion de mana en puissance. Donc en gros, il faut avoir des objets qui donnent du mana. Le pendule des âges ne donne pas de mana, par contre le livre des morts en donne 200 et le moissonneur en donne 300. C'est pour ça qu'on aime bien le plastron de valeur aussi avec ce build, parce qu'il en donne 300 aussi. Mais ça fragilise, enfin ça enlève le côté bursty de Chengai. Il y a le bâton de sorcier qui est envisageable, mais faire deux items de stack, c'est généralement pas trop conseillé. Donc on peut terminer par exemple par un bâton éthéré si on a envie, ou on peut aller chercher le bâton éthéré, il est où? Il est... là, le bâton éthéré, où vous pouvez aller chercher par exemple un bâton de Tahuti, parce que vous aimez bien le bâton de Tahuti. Moi j'aime bien le bâton de Tahuti, hein. c'est un objet que j'ai toujours apprécié. En plus j'aime beaucoup les images qui ont été faites cette saison dessus. Donc là vous aurez un petit peu moins de pénétration, 30%. Quoique, non, le livre de mort ne donne pas de pénétration, non il n'en donne pas. Non, non, réduction de temps de contrôle. Donc vous avez encore pas la pénétration maximum, mais vous avez un build qui fait que quand vous... attendez, il faut que j'aille stacker mon livre de Thoth. Donc là, bien sûr, c'est basé sur le proc du livre de mort qui va vous aider beaucoup dans les teamfights à survivre. Vu que vous êtes un mage qui est quasiment semi-corps à corps, bah, vous allez souvent devoir... il va souvent proc et il va souvent vous aider. Bon, je vais essayer de le faire proc. Qui tombe quand je tombe sous 40% de PV de mémoire. Bon, ça va durer 3 ans. T'inquiète pas, tu vas y arriver, Nice. On prend en toi. Là, j'ai bientôt tombé sous 40. Et voilà, donc j'ai mon petit shield qui m'aide. Voilà. Et qui dure quand même un petit moment sur moi. Et qui me protège, voilà. Voilà. Et maintenant, il y a un CD de je sais plus combien de minutes sur le livre de mort. Donc ça peut être utile quand vous flashez. Parce que ça va vous permettre de tanker un petit peu plus avec vos deux, avec votre purif, votre rigide et le livre de mort. Bah, je peux vous assurer que la Chenga devient difficile à tuer. Donc ce build, il existe. Il est encore fait. Il y a certains joueurs qui le feront encore, je suppose. Et vous avez tout de même, bah, ici, on est sur un 30% de pénétration. 40% si je prends l'élixir. Et on est sur un 30% de CDR. Parce que j'ai juste le pendentif qui me donne 20% plus les 5% de l'élixir à 500 gold. Donc voilà, on est sur un build relativement équilibré. Voilà, donc ça, on a parlé du build de Chenga. Bien évidemment, vous pouvez faire le même build où vous remplacez le moissonneur par un plastron de valeur. Voilà, et vous remplacez le bâton de Tahuti par un bâton éthéré. Et là, vous transformez votre Chenga en Chenga Briseur. Moi je préfère l'autre plastron de valeur, mais bon, vous pouvez faire l'un ou l'autre comme vous voulez. Là vous transformez votre Chenga. Alors bien sûr il faut quand même faire, ouais, il faut quand même faire le pendule des âges, hein, parce que sinon vous allez un peu galérer. Ah non, vous avez le plastron de valeur, donc vous n'êtes pas obligé. Donc là vous pouvez faire la gemme de focalisation. Voilà, là vous pouvez faire ça. Donc là vous avez un build qui vous permet quand même de tanker un peu, puisque vous avez 2360 HP, vous avez 130 de résistance physique qui va augmenter grâce au plastron d'ailleurs à chaque fois que vous prendrez des autos. Vous avez aussi une autre mécanique, c'est que vous pouvez faire, là on parle plutôt d'un build qui serait solo lane, vous pouvez faire ça comme itemisation. Voilà, donc là vous avez alors le plastron de valeur, faut le faire beaucoup plus tôt, hein. Vous faites livre de Thoth, plastron de valeur, point. Ou vous faites rush plastron de valeur, livre de Thoth. Mais vous le faites tôt, votre plastron. Parce que le plastron en solo lane, il est vraiment très très important. Il est très très OP, il faut le faire. Et donc là, vous voyez, on gagne beaucoup plus en résistance. L'anisme fait beaucoup moins de dégâts. Bon, moi, j'en fais forcément moins aussi, puisque je suis un peu moins basé sur la puissance que tout à l'heure. Mais j'ai quand même un potentiel de faire des kills et d'être capable de tanker. Donc là, ça serait un build un peu relativement mage-briseur. Alors, notez toutefois qu'on est plutôt mage que briseur, là. Si on voudrait...
faire encore plus tanky, on pourrait. En prenant un objet à la place de la... prenant par exemple une pierre du vide ici. Pour équilibrer les résistances physiques et les résistances magiques, on prend une petite pierre du vide. Il y a aussi un objet qui a un peu pété du cul, qui est vraiment très très fort au tout début de la saison. Ça serait donc de faire un build assez différent. Vous n'allez pas faire le livre de Thoth, livre de mort. Par contre, vous pouvez garder le reste. Vous allez faire le rush couronne de l'empereur de Jade. Donc ça, c'est un objet très très défensif parce qu'elle vous donne 50 de prod physique et 250 de santé et l'aura va réduire. Donc si vous êtes face à un solo laner physique et un assassin physique en jungle, si vous faites l'âge tranchante, la couronne de l'empereur de Jade, into plastron de valeur, les physiques ne vous font aucun dé... enfin, les physiques ne vous feront vraiment très très peu de dégâts si vous êtes capable de vous soigner assez souvent en glace ou plastron. Donc ça c'est un bon moyen de réduire drastiquement les dégâts de deux persos physiques contre vous si vous voulez jouer Chenga solo. Donc il faudra juste résister un tout petit peu, mais à partir du moment où vous aurez la couronne de l'empereur de Jade, vous devenez un personnage beaucoup plus difficilement gankable. Ça prend du temps de tuer une Chenga qui rush cet objet. C'est un objet principalement pour les gardiens, mais qui peut être envisageable sur Chenga cette saison. Et vous pouvez éventuellement partir aussi sur la couronne de Lotus si vous aimez cet objet, mais je trouve la couronne de l'empereur de Jade un petit peu plus fort cette saison. Qu'est-ce que je ferai comme itemisation pour terminer tout ça? Donc je ferai la hache, la couronne, le plastron, et après je partirai, ouais, pierre du vide pour avoir de la résistance magique, ou une pestilence par exemple, peut être très très bien. La pierre du vide a été up aussi, je crois, je sais plus, les deux ont été up. Mais bref, ça peut faire une itemisation de ce style-là. Qu'est-ce qui manque comme objet? Qu'est-ce que je pourrais faire comme objet? Un bâton d'usculape, si j'ai envie. Ou alors une divine ruine, si j'ai envie de contrer le heal. Ou comme on l'a dit, si on a vraiment envie de jouer un truc un peu tanky, on peut faire une robe spirituelle ou une cape de discorde sur le personnage. En plus, à la fin de l'itemisation, c'est-à-dire après le bâton de Tahuti. Voilà, ça donne une itemisation comme ça, si vous voulez vraiment faire une Chenga briseur, qui là sera plus résistante, mais qui a quand même un potentiel de dégâts. Alors je cherche vraiment mon dernier objet, hein, depuis tout à l'heure, dans ma petite tête. Qu'est-ce que je pourrais faire? On pourrait faire ça, quoi. Bon, pas dans cet ordre-là, vous avez compris, hein, ça serait hache, couronne, plastron, pierre, bâton et cap de discorde à la fin. Ça fait une itemisation où là, ma Chenga a 290 de résistance physique et 198 de résistance magique. Forcément, là, je fais moins mal. Mais bon, je prends plus de dégâts. Donc voilà. Ah bah, bien joué, c'était un bel équipe, ça y est. Voilà. Voilà, c'était pour évoquer un peu tous les styles de jeu avec Chenga, puisque Chenga a un peu tous les styles de jeu possibles. C'est pas forcément le solo lane que je vous conseille, par contre c'est un mid laner intéressant, très agressif, qui peut se jouer avec un Fenrir par exemple, ça fonctionne très bien, ou qui peut se jouer avec un Thanatos, ça fonctionne très bien, puisque vous avez le côté Thanatos qui retombe, paf, flash de Chenga, ou Thanatos qui retombe, Chenga qui balance l'ulti derrière, double stun, le mec est très content, il s'est fait one shot, surtout que Chenga, son défaut c'est qu'elle n'est pas capable de one shot très souvent, il faut généralement qu'elle soit bien dans sa game, donc il faut essayer de peu mourir pour pouvoir one shot quelqu'un et le tuer très très vite. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différents builds. Est-ce que vous êtes plutôt Chenga solo ou est-ce que vous êtes plutôt Chenga middle en conquête? Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour un nouveau guide saison 9 sur Spite.